Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo claque graphique spéciale Nintendo NES en compagnie du poteau UMX. Comment ça va? Ça va bien et toi? Toujours impeccable. Ça fait toujours plaisir de parler Nintendo avec toi. Donc du coup, on a sélectionné donc 5 titres, 5 claques graphiques sur la 8 bits de Nintendo. Ouais. On va parler donc de jeux de plateforme, majoritairement. Principalement, bon après c'est ce qui se faisait en grande partie. On va taper un peu dans toutes les époques, en termes d'ancienneté d'années de jeu. Ouais, on va parler de à peu près 88 jusqu'à 93-94. Voilà, bon, après ça dépend en fonction au Japon. Ouais, les sorties, voilà. Parce que c'est vrai que ça diffère. On verra qu'il y en a un qui est sorti en 88 au Japon, mais qui est sorti qu'en 91 chez nous. Voilà. Donc bah, on va commencer sans plus tarder par un jeu très mignon, très coloré et très pastel. Alors, un jeu connu de la NES. Voilà. Vous l'aurez compris, on va parler de Kirby's Adventure. C'est ça, Kirby's Adventure, le deuxième épisode de la série Kirby. Voilà. Qui fait suite à l'épisode Game Boy. Le premier où on peut absorber les pouvoirs des ennemis, qui a un style pastel. Très pastel. Ouais. Je vais pas dire crayonné, mais... Ouais, ça pourrait y faire penser un peu quand même. Hein. On est sur des couleurs assez vives, assez chatoyantes. Pas forcément toujours full détail. On va avoir souvent des fonds d'écran qui vont être un aplat d'une seule couleur, mais il y a énormément d'animation. Alors c'est vrai que au niveau arrière-plan, c'est pas là où ça va être le plus beau. Je suis d'accord, ça va être surtout sur les premiers plans. Où là ça va envoyer du pâté. En fait c'est paradoxal parce que c'est pas tant le personnage ou les ennemis qui sont hyper détaillés, ils ont beaucoup d'animation, surtout Kirby parce que au vu de tous ses pouvoirs, chaque pouvoir a ses propres animations. Ouais. Mais ça va être le décor de premier plan qui va être très travaillé, étonnamment. Ouais. Ouais. Dans des styles coloristiques très poussés. Alors la force du jeu, c'est qu'il y a une multitude de décors, oui, de variétés d'atmosphères. On va pouvoir aller donc dans l'espace. C'est ça, enfin dans la nuit, on va avoir des stages qui vont être très nocturnes. Voilà, on va avoir des aurores boréales, arrière-plan, des étoiles. On va avoir un stage qui est l'océan orange, bah du coup toute la thématique va tourner autour de l'orange. L'orange, c'est assez marrant ça d'ailleurs. Il y a des petites scénettes pour introduire chaque nouveau monde. Il y a 8 mondes différents, si je dis pas de bêtises. Vraiment différents. Il y a le côté un peu exotique. Avec la plage, les palmiers, les ça. Îles sorbées. C'est toujours tourné autour de la bouffe aussi avec Kirby. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le monde aussi de la forêt, on va dire. Avec le boss mythique, du tronc d'arbre. Le tronc d'arbre, alors j'ai mangé son nom. Ouais, pareil. Enfin, on va retrouver les classiques. C'est un Kirby, donc ça veut dire qu'en termes de gameplay, c'est assez accessible, c'est assez simpliste. Par contre, finir le jeu à 100% va demander quand même un effort. C'est vrai. Un point fort aussi du jeu, c'est les animations. Les animations, la multitude d'animations qu'a Kirby. Que Kirby, en fonction de ses pouvoirs. En fonction des pouvoirs. Mais pas que aussi, il y a quand même les ennemis aussi qui ont beaucoup de variétés d'animations, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai qu'après, tu retrouves en plus des versions grandies, qui sont les mini-boss, pour certains types d'ennemis. Oui, vas-y, je te coupe, vas-y. Le jeu localisé en français et a une pile de sauvegarde. Oui. Heureusement, j'ai envie de te dire, parce que l'histoire, la durée de vie quand même assez longue sur ce jeu. Le jeu peut être assez long, ça se fait pas. Alors, ça peut se faire une après-midi en y allant comme un bourrin. Ouais, comme un bourrin. Mais... je vais te dire. C'est un jeu qui. Parce qu'après, il y a un taux de complétion, tu peux finir le jeu à 100%. Donc là, pour le coup, c'est super important d'avoir une pile de sauvegarde pour le jeu. Ouais. C'est primordial. Donc, graphiquement, voilà, on va avoir des boss qui sont assez gros. C'est une tuerie, franchement. Ouais, donc plein d'animations, il y a pas mal d'animations en fonction des pouvoirs, il y a énormément de pouvoirs. Donc il y a quoi comme style de pouvoir? Il y a. Ça peut être de l'épée, cracher des flammes, cracher de la glace. Tu peux te mettre en boule de feu et casser les murs. Voilà, se transformer en comète, se transformer en ovni. Oui, parce que pour moi, aussi, exact. Tu peux te transformer en caillou, parce que tu peux tomber sur un ennemi en étant un caillou, en roue pour aller très vite. T'as des coups, le parasol aussi. Le parasol. Il y a plein de trucs. Franchement, il y a énormément de variétés à ce niveau-là. Tous ne servent pas. Mais en termes de gameplay, d'animation pour chaque pouvoir, t'as énormément de choses. Ouais, ça donne énormément de variétés. Donc, du coup, ça décuple le fun, je trouve. Tu t'ennuies pas sur ce genre de jeu, quoi.
puis on est sur un classique, on est sur un jeu Nintendo, on peut. Là on peut y aller de fermer là-dessus. Et puis la bande son. Le bande son est très très bonne. Ouais, hein, très très bonne. Pas à tortiller. Mm. Donc ça, Kirby's Adventure, franchement c'est une claque graphique. Et il est sorti en quelle année celui-ci? Je crois que c'est 92 ou 93, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé vite fait, en attendant. 93. Il est sorti en 93, donc ouais, quasiment en fin de vie de la console. Et c'est compréhensible parce que le jeu est super beau. Donc il y a eu un remake de ce jeu-là sur Game Boy Advance. Tout à fait. Qui s'appelle Nightmares Dreamland. C'est ça. Il a un petit peu plus de contenu en plus et une refonte graphique totale. Ah bah c'est clair. Le jeu il est super. Bah, c'est la version Super NES du jeu entre guillemets. Hein, parce que ouais. La Game Boy Advance c'est plus ou moins qu'une Super NES. Mais version boostée quoi. Ouais, c'est clair. Donc Kirby's Adventure, pour nous c'est une claque graphique. C'est très très chatoyant à l'œil, très beau, très pastel. Et voilà, et c'est il, très il a sa place dans cette rubrique. Quoi. Mm. Donc voilà, Kirby's Adventure, une tuerie. Ensuite, Batman Return of the Joker. Alors ça, c'est certainement un des plus beaux jeux de la console. Pour ma part, impressionnant, même s'il y a ce côté sombre. Il est impressionnant, vraiment. C'est quasiment aussi, on peut le dire, la plus belle jaquette de la NES. Ah bah, alors, chez nous, en tout cas. Clairement, franchement, elle est superbe avec ce Joker. Là, avec cette belle dentition. Tout va sorti d'un comics. Ah bah c'est clair. C'est clair. Avec cette jolie dentition, toi, il est sorti de chez le dentiste, il est content. Il a dû croiser The Mask, je pense. Voilà. Et puis tu vois le logo de Batman, hein, tu vois. Non, franchement, magnifique. Donc, bel habillage. Bel habillage. En boîte, mais aussi dans le jeu, quoi. Dans le jeu. Hein, le jeu est magnifique, on dirait un jeu 16 bits. Oh, on a des sprites qui font une taille démentielle à l'écran. Ouais. Et c'est ouais. Pas et juste... super bien animé. Et c'est vrai, ouais, c'est pas juste un sprite, hein, c'est même les ennemis où sont gigantesques. Les décors sont en reste. Les décors sont très sympas, on a une variété de couleurs, comme tu dis, c'est ténébreux sans être dans le noir. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quand même un stage très coloré vers la fin où t'es sur une île un peu paradisiaque. Oui, alors là, c'est vraiment what the fuck ce décor-là. Ah, ça correspond pas vraiment quand même à Batman, mais ils ont trippé là-dessus. Mais on retrouve quand même les égouts. On retrouve les égouts. Bah, après, c'est un jeu Sunsoft, hein, donc t'as des classiques. Ouais. Donc tu vas affronter plusieurs boss. Tu vas affronter des boss. D'ailleurs, le système change. Hein. On est sur un platformer action. Mm. Et quand tu passes sur un boss, tu passes presque sur un écran versus où les barres de vie passent en mode power avec une valeur numérique en milliers de points de vie. Ouais. Et t'as un côté un peu versus, je trouve, dans les... Dans les combats de boss. Dans les combats de boss. Ouais, ouais, même si tu restes sur un boss d'action platformer. Ouais. T'auras aussi des phases de shoot'em up. C'est entrecoupé avec des séquences en Batwing. Alors là aussi techniquement ça envoie parce que à aucun moment ça ralentit le scrolling. C'est assez... Bon, moi je trouve que c'est quand même bien foutu. Moi je sais que j'avais eu un souvenir assez anecdotique. J'ai trouvé ça sympa. Alors, toi, t'as un souvenir des stages qui sont super longs en fait en phase de jeu. Ouais, j'ai souvenir qu'ils étaient alors, assez longs. Alors, en fait, ils sont pas si longs que ça. Hein. Non, ils sont courts. Par contre, tu vas en avoir deux ou trois au cours de l'aventure, des phases de shoot'em up. C'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il y en avait trop pour le coup. Ouais, ouais. Franchement, le jeu est magnifique, graphiquement, c'est superbe. Les animations sont bonnes. Alors, le gros problème du jeu, c'est le level design. Qui va le tuer, qui va le plomber. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Et, la lourdeur du perso. Le gameplay est un peu lourd. Mm. Et bah, le point fort du graphique va être le point faible du jeu, c'est-à-dire qu'on a des sprites énormes, du coup, on va se faire toucher pour un. Mm. C'est ça. Voilà, comme quoi, tu vois, que l'habillage graphique, ça fait pas tout dans un jeu, quoi. Parce que ça, vraiment, ça va le casser, en fait, cette jouabilité. Hein. Ouais. J'ai trouvé, c'est dommage, hein, parce que je l'aime bien quand même ce jeu-là, tu vois. Il y a un bel habillage, il y a de bonnes musiques, bonnes animations, mais la jouabilité, ça flingue, quoi. Alors, il n'est pas mauvais, hein, soyons d'accord. Il est très sympa à jouer. Mm. Mais par contre, quand le jeu, il a envie de te fesser en te touchant pour un oui ou pour un non, pour ceux qui ont fait le jeu, c'est un jeu qui est frustrant. C'est un jeu qui est frustrant. Il n'est pas, ouais, voilà. Mais mis à part ça, ouais, graphiquement, c'est superbe. Il y a un stage aussi, je m'en rappelle, c'est... tu traverses une forteresse, tu vas monter en haut de la forteresse, et tu vas avoir un multi-scrolling sur les nuages, et qui défile à toute vitesse. Mais je me demande si c'est pas le fameux stage au fond, tu vois le zeppelin qui arrive.
C'est pas le sage en montagne où tu te fais bombarder de missiles en continu. Non, ça avance. Ça avance. Ouais, ça avance. Et là, le défilement, le dégradé de couleurs sur les nuages, c'est magnifique. Enfin, tu vois que Sunsoft, là, ils se sont fait plaisir. Oui. Ah bah, de toute façon, déjà, les jeux Sunsoft, de manière générale, sont assez bons et assez beaux. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jeu-là, il n'est pas sorti en 94 ou 95. Ouais. Il est sorti en milieu de vie de la console, en 91. Ça, 91, hein, ouais. 91, c'est incroyable. Ce que le jeu a pu faire en 91, il a dû mettre une claque à tous les autres jeux. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah ouais, il y a les mecs qui sont capables de faire ça. » Ah ouais, non mais franchement, impressionnant. Et puis, à aucun moment où c'est très rare que ça ralentisse, quoi. Ils ont super bien optimisé le jeu, quoi. Après, t'as pas forcément énormément... Vu la taille des sprites, il y a la contrepartie qui n'a pas forcément 15 000 ennemis à l'écran. T'as déjà un ennemi, ça prend même pas les écrans déjà. Max, on a deux, quoi. Voilà. Donc, non, voilà. Batman Return of the Joker, lui aussi, bah, il mérite sa place hein, dans les claques graphiques hein, de la NES. Ça, c'est indéniable. Après, voilà, pour l'obtenir, celui-ci, je crois qu'il a un certain prix. On va pas parler d'argent, mais je sais que c'est chaud maintenant pour l'avoir. Il y a des chances. Alors, peut-être on loue si ça reste accessible, mais en boîte. Il y a eu plusieurs portages sur Game Boy. Mega Drive aussi, je crois. Mega Drive aussi, ouais, exact. Qui sont pas trop mal aussi graphiquement, mais je pense quand même que la version NES, c'est la meilleure. Donc voilà. Return of the Joker, Batman, ça c'est une tuerie les gars, en termes graphiques. On dit bien graphique. Parce qu'au niveau de la jouabilité, c'est pas ça. Là, on va retomber sur quelque chose de plus connu. Voilà. De moins gros en termes de sprite. C'est une suite. C'est une suite. D'un très bon jeu. D'un très bon jeu. Qui pour le coup est souvent moins parlé, c'est le DuckTales 2. Voilà, de chez Capcom. De chez Capcom, donc sur NES. Donc on va reprendre à peu près tout le gameplay du 1. Ouais. On va améliorer les graphismes. On va avoir plus de stages, plus de secrets. On va parcourir le monde. On va parcourir le monde, bah, le premier aussi, hein, puisqu'on allait jusqu'à la Lune. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, on va avoir du moveset en plus à trouver. Enfin, il y a plus à chercher dans le jeu-là que dans le premier. Ce qui fait que du coup... Il y a encore plus de passages secrets aussi. Il est plus long et peut-être moins sympa à parcourir que le premier. Ouais. Parce que bah, le premier, tu vas le faire un peu en one-shot, tu vas le faire comme ça, tu vas le claquer en une petite heure. Là, il y a un peu plus de boulot. Graphiquement, donc, c'est beaucoup plus affiné que le premier épisode. Ouais. Mention spéciale, j'aime bien le stage... L'Écosse, le château. Ouais, dans la forêt, dans le château. Dans le château, donc c'est l'Écosse. Château, c'est magnifique. C'est bourré de détails. Ouais, les chandeliers derrière, les chevaliers. Et puis bah, on a le côté un peu. Donc la surcouche Disney, que ouais. Bah, du coup, les animations sont assez sympathiques sur les personnages. Tu retrouves les mimiques. Le stage aussi de l'Egypte, j'aime bien. Avec cet effet de profondeur sur les pyramides. Mmh. C'est bien foutu. Le jeu est très sympa. Ouais. Les sprites des jeux et des ennemis sont. Enfin, du héros de Picsou est bien fait. Voilà, t'as des animations en plus par rapport au premier, parce qu'il a plus de moveset. Ouais. On va retrouver toute une nouvelle palette d'ennemis. On va visiter plein de lieux. Donc, il y a l'Egypte, il y a les chutes du Niagara, il y a l'Écosse, il y a un stage secret, il y a des fins alternatives de mémoire. Le jeu, pareil, est localisé en français. Je sais plus si en termes d'animation il y a des ralentissements. Un petit peu de mémoire. Je crois. Hein. Ouais. Bah, Capcom faisait des très bons jeux, mais ils avaient toujours le problème des ralentissements ouais, sur leur jeu. Par moment, il y a des petits ralentissements. Sur NES, en tout cas, c'est régulier qu'il y ait du ralentissement. Après, mis à part ça, DuckTales 2, voilà, c'est une valeur sûre. Le jeu est beau et jouissif. Si vous aimez le premier, il n'y a pas de raison que vous aimiez une durée de vie correcte. Puis pareil, superbe jaquette. Un bel emballage. Je ne sais pas si on verra bien avec les reflets et tout ça des Crystal Box, mais non, c'est une tuerie. Donc, DuckTales 2, pareil, il a sa place dans les claques graphiques de la NES. Alors là, on est en quelle année sur celui-ci? C'était pas 80. Je vais dire ça. Je sais pas. 93. Combien. 93, donc là c'est pareil, on est en fin de vie hein, la console. En fin de vie. Hein. Voilà, ça c'est une valeur sûre de la bécane en termes graphiques. Quatrième jeu. Ah, celui-là. Alors, The Adventures of Bayou Billy. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais
C'est ah ça se balade entre Konami, entre Capcom, hein, souvent ça revient. C'est les gros éditeurs, ouais, Sunsoft. C'est les plus gros éditeurs à l'époque. Hein. Capcom, Konami, Sunsoft, hein. Ils ont envoyé du lourd, hein, graphiquement, puis Nintendo avec Kirby, bien sûr. Donc Biobilly, de chez Konami, donc un jeu. Alors c'est sorti en 88 au Japon. Ouais, c'est un jeu, voilà. Je vais bien le préciser. C'est un jeu de début de console. Vraiment début de console. Et que nous, on a eu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, vers 91. 90. Ah bah celui-ci, tu vois, deux ans après. Et bah, on l'a mis dans ces claques graphiques parce que franchement, bah, pour 88, et bah, c'est impressionnant. En plus, c'est un jeu qui est un peu particulier parce qu'il mélange beaucoup de choses. Voilà, multi-style de jeu. Donc il va mélanger le beat'em all, beat'em up, le rail shooter et le jeu de voiture, quoi. Sachant que le rail shooter, on pouvait jouer avec le NES Zapper. Voilà, c'était compatible avec le NES Zapper. Bon, si t'avais pas le NES Zapper, tu pouvais jouer à la manette, mais bon, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Et puis, fallait, déjà que le jeu est... Fallait être capable d'aller jusqu'à ce stage-là, déjà. Ouais, déjà que le jeu... En fait, voilà, c'est ça qui va te plomber, jeu-là, c'est que le jeu est très, très, très dur. Voilà. À favoriser la version japonaise du jeu, qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, graphiquement superbe. Par exemple, le premier stage déjà direct dans la forêt, la multitude la jungle, de détails dans la jungle derrière, hein. C'est assez bluffant. Même quand tu parcours le stage, tu vas avoir des évolutions. Par exemple, tu vas avoir la forêt. Ensuite, tu vas avoir les marécages avec les crocos. Avec les crocos, ouais, je m'en souviens. Hein. Avec, avec l'eau bien bleutée, bien détaillée. Après, tu vas aller en Louisiane. Le jeu jongle bien sur ces environnements. Ouais, voilà, tu vas aller en Louisiane après, devant les bars et tout, jazzy et tout. Pareil, t'auras une phase de rail shooter dans cet univers. Bah, t'as une vibe un peu Crocodile Dundee, hein, j'ai envie de grave. Dire. Ah bah oui. Ah bah, de toute façon, c'était sorti quasiment au même moment que les films Crocodile Dundee. Hein. Quelque chose me dit que c'est juste, ils s'appellent Biobilly parce qu'ils ont pas réussi à avoir la licence. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Je vais pas dire. D'ailleurs, il y a des multitudes de références, hein, à Crocodile Dundee, tu vas pouvoir utiliser le fouet en arme. T'as le couteau, je crois, aussi. T'as le gros chlasse, bien comme ça, tu sais. T'as des flingues aussi, un jeu. T'as aussi le bâton, je crois. Faut te retrouver un peu à la base, un peu tous les beat'em all là-dessus. Après, sans ça, tu as aussi les coups de poing et les coups de pied. Hein. Tu vois, t'auras pu avoir qu'un coup de poing, ouais. Mais en fait, t'as le coup de poing et les coups de pied, quoi. Il est quand même assez complet en termes de... Ce qui est marrant, c'est que les phases, t'as les phases de conduite où en fait c'est pas un circuit, mais c'est vraiment une durée. Tu vas devenir un point A, un point B en fait. En fait, le jeu, c'est à toi de conduire pour d'aller du stage 1 au stage 2, quoi. C'est voilà, un peu l'idée. Et puis tu vas avoir une barre en fait en haut de ta progression pour voir ta progression sur le trajet, quoi. Donc là, par exemple, sur les phases de voiture, donc ta voiture va être équipée d'armement. Tu vas pouvoir tirer, balancer des roquettes, des bastos. Parce que au cours du trajet, en fait, tu vas rencontrer donc des ennemis, des 4x4 qui vont aussi te fusiller, des avions de chasse qui vont t'attaquer. C'est pour moi, je pense que c'est la phase la plus dure du jeu. J'ai pas été jusque là, et c'était déjà suffisamment dur pour mon goût. Parce qu'en plus, tu vas devoir aussi esquiver des flaques, des trous sur la route, enfin, toi, des flaques d'huile. Je pense que c'est la partie la plus complexe du jeu, les phases de voiture. Mais aussi, voilà, c'est très bien détaillé. Pour moi, un jeu de 88 de cette envergure-là mérite sa place de claque graphique. Complètement, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeux qui ne tiennent pas la dragée graphiquement en 88. Hein. Ouais, c'est clair. Alors là, on parle, hein, par rapport à la sortie japonaise, pour le coup, parce que ça arrivait vachement plus tard chez nous. Mais... Mais même en 90, franchement, le jeu tient le coup. Hein. Oui. Tu vois ça en France en 90, tu dis, bon, bah, le jeu, il est quand même propre, quoi. Ouais. Moi, je trouve, quoi. Donc voilà, Biobilly, les gars, ça, c'est une valeur sûre en termes graphiques. Après, pour aller au bout du jeu, il faut avoir les nerfs bien solides. Oui, et il faut avoir du skill. Et il faut avoir du skill. Voilà. Et puis, bah, pour terminer, je te laisse le prendre. Ouais, parce que voilà, t'as un grand fan. Et puis, bon, forcément, fallait en mettre un. j'ai pas parlé de Metroid dans cette vidéo là, donc je vais parler de Mega Man. Hein. Voilà, donc là on va présenter Mega Man 6. Mega Man 6. Alors, on va le dire tout de suite, c'est pas le meilleur de la série classique. Non, sur NES. Bah, en termes d'innovation, c'est. En termes de gameplay, il apporte pas beaucoup plus. Mais en termes graphiques, bah, ça va être le plus abouti. Donc c'est un jeu qui est pas sorti en France, enfin en Europe. Dans le moins. Ouais. Y a eu donc la version Jap, la version US.
Et c'est tout. Ça, c'est sorti en 93 au Japon, 94 aux USA, il me semble. Donc, on va retrouver hein, la mécanique classique d'un Megaman avec 8 stages. Ouais. Donc, 8 environnements totalement différents, interprétés de manière industrielle. Donc, on va voir du Far West, ouais. De la montagne glacée, on va voir une raffinerie de pétrole. Voilà. Toujours avec ce côté robotique. Hein, toujours, hein, on est dans le turfu, on est en 2000. C'est ça. 2000XX. Donc, d'ailleurs, il est sorti en quelle année celui-ci? En fin de vie, 94, chez nous, 93-94. Là, pour le coup, le boîte, c'est une repro, donc t'as peut-être pas l'info. 93. Et 93, je crois que c'est la sortie japonaise. Pour le coup, je crois qu'il est vraiment sorti en 94. D'accord. Ou toute fin 93. De toute façon, ça se ressent quand même. Voilà, on est à la fois très détaillé sur les décors. Le premier plan et le second plan aussi. Hein. Et très coloré. Il y a des efforts aussi sur le second plan quand même. Par exemple, le monde du Far West, à un moment, tu vas voir le soleil des petites distorsions en chaleur. On va arriver dans le stage en milieu de journée. Et arriver à peu près à la moitié du stage, on va faire une transition d'écran. Et là, on va se retrouver en sunset avec le soleil couchant, des couleurs bleu-violet. Voilà, c'est ça. Donc il y a le monde Far West, il y a le monde de la forêt est très très bien détaillé. Très bien foutu. Avec des apparitions d'ennemis qui sortent des branches, avec des feuilles qui tombent et tout. Comme je disais tout à l'heure, voilà, Capcom, ils font des bons graphismes, ils font des bons jeux. Par contre, il y a souvent du ralentissement. Megaman en est le plus bel exemple, parce que beaucoup ralentissent. Et celui-là, il n'échappe pas à la règle hein, là-dessus. On a des sprites assez énormes pour les boss, pour les mini-boss. Même pour les mini-boss. Et les gros boss de forteresse, parce que les boss standard ont la taille de Megaman. Bien détaillé aussi. Pareil, voilà, on va avoir une grenouille ninja avec un ninja par-dessus. On va avoir un gorille mécanique géant. Là, le scénario... avant, c'était sur un timbre-poste. Là, c'est sur le dernier morceau du timbre-poste. Voilà, d'accord. On te présente un méchant, c'est juste le méchant d'habituel avec une barbe. Victor Woody, toujours. C'est ça, et au bout de 5 minutes, c'était moi qui m'avais pas reconnu. Hein. Effectivement, ouais. Voilà, là, on en est à ce niveau-là. Ouais. Je suis le premier à défendre le scénario de Megaman. C'est l'histoire de faire un épisode, quoi. Là, c'était l'histoire de faire un épisode. Donc, c'est le dernier épisode sur de la NES. Alors que, petite blague, pour le coup, c'est le premier épisode où il arrive à capturer le méchant à la fin. Il attrape le méchant à la fin. Donc, il y a des petites modifications au niveau gameplay, par exemple, le chien. Alors, on a pu... Alors, Rush est toujours présent, donc le chien qui servait pour sauter plus haut ou faire une plateforme qui avançait toute seule. Alors, ça sera plus ça. Ça sera plus ça. Maintenant, en fait, il va se transformer en armure. Donc, il y a deux types d'armure, l'armure de pouvoir et l'armure de jet. Qui va permettre de faire une espèce de double saut et l'armure de pouvoir de pouvoir casser les éléments de décor. Puisque certains stages ont plusieurs routes dedans, des routes alternatives avec des bonus, des trucs cachés. Ça se faisait de plus en plus dans les Megaman. Pour le coup, on reste sur un Megaman, donc la difficulté, c'est t'apprends le jeu et c'est tout. Ouais. C'est du par cœur. C'est du par cœur et du réflexe de. Ou du réflexe de poulpe mutant, au choix. Le jeu est assez dur quand tu le connais pas, tu peux pas le faire comme ça, one shot. Ils sont tous compliqués de toute façon, les Megaman. Ça s'apprend. C'est vraiment pour une certaine minorité de joueurs. Hein. Malheureusement, hein, parce que c'est con, parce que les jeux sont très bons. Hein. Ah oui, non mais tu prends du plaisir. Hein. Une fois que tu maîtrises le jeu, c'est un régal. Hein. C'est vrai que moi maintenant j'ai tellement l'habitude que j'ai tendance à me balader assez dedans sans trop de difficultés. Mais l'avantage c'est qu'un Megaman, quand t'en as maîtrisé un, généralement. T'as maîtrisé les autres. Hein. C'est ça. Ouais, tu vas juste redécouvrir certains patterns, certains pièges, et c'est tout. Donc voilà. Très sympa. Donc, ça pareil, c'est très beau. Fin de vie de console. Tu le ressens. Mis à part ces petits ralentissements. Sinon, ça, c'est une tuerie. Hein. C'est ça. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Même si c'est pas le meilleur épisode. C'est pas l'épisode sur lequel je vous conseillerais de commencer un Megaman, clairement. Moi je dirais le 2. Non, et le 3. Non plus. Moi je conseillerais le 9 ou le 10 parce qu'ils ont des modes faciles. Ah oui? Alors certes, c'est plus de la NES, mais pour le coup, ils ont des modes vraiment faciles. Ouais. Et c'est. Ouais, mais je veux dire par rapport à la NES. Par rapport à la NES. Toi tu conseillerais lequel? Je vais dire mécaniquement le 2 parce que c'est le plus connu, c'est le plus accessible. C'est le plus accessible, c'est pour ça. Et que nous, on a un mode facile qui a été rajouté. Donc ce qui fait que le jeu est d'autant plus. Simple, au moins sur ses 8 premiers boss, parce que la forteresse, c'est autre chose. C'est ça. Mais il n'y a pas de bonne porte d'entrée sur NES. Donc Megaman 6, ça, c'est aussi ça, des boîtes, ça éclate la rétine. C'est ça. On va récapituler.
donc les 5 jeux. Donc on a commencé par Kirby's Adventure, donc très joli, très mignon, très pastel. Très accessible en termes très de gameplay. Accessible pour les joueurs. Sûrement peut-être le plus simple en termes de gameplay et le plus accessible de toute la sélection. Ouais. Et donc très joli, très très joli. Il a vraiment son style à part, c'est vraiment à lui, propre. Quoi, tu vois, propre. Alors là, pareil. Sûrement le plus beau jeu de la sélection. Voilà, certainement le plus beau jeu de la sélection. Ça, c'est une claque monumentale. Malheureusement, ça, c'est sa jouabilité qui flingue. Mais bon. Voilà, le jeu est moyen en termes de gameplay. Non. Ensuite, DuckTales 2. Un jeu très beau aussi. Très beau aussi. Sans non plus que ça éclate vraiment la rétine, mais le jeu est très, très mignon, très soigné. C'est surtout ça, très soigné. Voilà, des petites animations qui sont très sympathiques. Les animations sont très propres. Donc ça, ouais, c'est, ça, c'est, ça, c'est du et tout. Et ça se joue très bien en plus. Ouais. Bayou Billy. Une référence pour son époque. Pour son époque. À noter, hein, franchement, 88. Sortir ça en 88. Ça... Et avoir trois gameplays totalement différents. Dans c'était jeu. Osé, hein. Franchement, Konami, là, ils ont porté leurs balls. Franchement, ils ont sorti. Surtout à cette époque-là. Ouais, surtout à cette époque-là. Surtout à cette époque-là, fallait, c'est fallait oser, assez hein. Dingue. Fallait oser. C'est quoi. Dingue d'être capable de sortir un truc comme ça. Et aussi beau, et en plus beau graphiquement quoi. Pour l'époque. Ah oui, on n'a pas précisé, mais il y a aussi des artworks pendant l'émission. Ils sont bien foutus, les artworks. Yes, correct, on l'a oublié. Voix digite et tout. Même quand tu lances le jeu, à l'écran titre, t'as une distorsion et tout. Les mecs, voilà, ils ont dit, ouais, on a posé. J'ai l'impression que c'est. Voilà. Sortez-moi un jeu, vous avez champ libre pour tout tester. C'est les mecs, ils ont tout fait dans une seule. Bon, ils ont mis le potard à 11 sur difficulté, mais bon. Œuf, jambon, fromage. Voilà. Donc voilà. Et puis pour terminer, le Mega Man 6. Alors, pas le mieux en termes de gameplay, mais graphiquement. Voilà, il fait le taf. Hein, c'est un Mega Man qui se trouve en milieu de. En termes de qualité dans les Mega Man classiques ouais. De la NES. Par contre, en termes de graphisme. Par contre, en termes de graphisme, c'est le dernier, c'est le plus abouti, c'est le plus poussé. Tu sens que c'est le plus beau, quoi. C'est là où il y a des plus beaux, quoi. C'est le plus beau de la série. Donc voilà, ainsi se termine cet épisode NES de 5 claps graphiques. Merci mon pote d'avoir participé. Je t'en prie. À cette vidéo. N'hésitez pas à interagir avec nous. À nous proposer vos claps graphiques. Il y en a bien d'autres. Hein. Oui. Je pense que d'ailleurs, on en fera peut-être une autre sélection. Oui, il y a de quoi faire. Après, on a pris dans ce que j'avais aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur le stick de geek. Ciao.